Bon, nous avons parlé avec Pasteur Forge sous manifestation ça qui était faite hier dans Port-au-Prince, côté plusieurs centaines de milliers de monde, selon chiffres, ont été pris à la rue hein, pour dire non à un phénomène d'insécurité. Il y a demandé de par Jovenel Moïse, il y a été un pile de monde, j'en ai dit dans le titre, qui était occupé béton pour dire non à la volonté Jovenel Moïse, gagné pour tabler dictature dans le pays. Hein. Pas de gagner seulement fidèles protestants sous parcours dans la manifestation. Ça. Mais tout, oui, plusieurs autres monde qui fait partie de l'autre religion et militants. Toute qualité dans la rue. Plusieurs personnalités politiques, ils ont même tout répondu présent dans la manifestation. Ça, avec nous, Pasteur Forge, pour un mot, puisque c'était sous initiative plusieurs organisations ou l'église, secteur la même que le mouvement ça a été organisé. Pasteur Forge, bonjour. Bonjour Dervier, bonjour Paul, bonjour PRR, bonjour Calves. Et nous comptons pour nous participer maintenant à une émission pour Lala. Avant de nous parler du match historique, hier dimanche, qui s'est déroulé dans la paix, côté près de 1 million de monde qui prend la rue, quand on presse, pour dénoncer vagues, kidnapping, insécurité, dictature. Nous voulons couper nous bien bas devant pile cadavre victime et kidnapping ça yo qui blaye dans tout pays. En particulier devant cadavre docteur ça hier matin qui tombé. Un docteur qui tout pour nous considérer comme un papa bon cœur. Et faut que nous continuer dénoncer bagarre ça yo. Et matin nous parler pour nous bailler un bilan parce que commission pour qu'on réunit parce qu'il faut que nous réunions pour nous faire une évaluation. Mais tout le monde a constaté que ce n'est pas seulement 1 million de monde qui était par la rien hier, parce que il y a ça qui est bouqué avec la situation ça qui a détruit la famille haïtienne, qui mettait compresse sous tête famille haïtienne, code dans la famille haïtienne qui fait bagay kidnapping ça que. Jusqu'à présent, pour tout le monde kidnappé, nous ne pouvons jamais entendre ce que ou bien qu'on est responsable politique a dit, mais qui est ce monde qui a délivré ou qui a kidnappé. Donc, bagage ça a interpellé nous. Donc, il faut que nous profitions de ce moment ça pour nous saluer et membres de la nouvelle entité ça, qui est la commission protestante contre l'insécurité, kidnapping, la corruption et toute velléité. Pour nous retourner dans une situation de kidnapping. Spécialement, moi, je voulais saluer le courage Pasteur Gérald Bataille, évêque Pierre Vincent, Pasteur Janvier, évêque François Villiers, et tous les conséquents qui étaient affichés dans l'initiative. Nous ne pouvons pas oublier tout l'autre monde, en pile l'autre leader, pour qu'ils participer dans l'initiative. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas contacter eux et nous connaissons que nous avons volonté pour être dans la rue à tout. Et nous saluons la présence de Pasteur Sidek Gantis, Pasteur Bilda, qui était là dans la rue. Et nous ne sommes pas capables d'oublier Pasteur Marche pour la vie, qui c'est Gédéon, notre Gédéon, pour courage. Nous ne sommes pas capables de dire merci à Barreau du Port-au-Prince, Association des Handicapés. Tout le monde, toute couleur, nous sommes même au gant dans la rue. Nous sommes tout coup social dans la rue. Nous sommes classe politique dans la rue. Je ne veux dire, nous pouvons capables de parler de une série de bagailles que nous sommes M. au pouvoir, nous voulons faire. Donc, ça a un bagage qui est plus important, je ne veux dire, c'est la paix qui peut gagner en Haïti. C'est résoudre le problème d'insécurité. C'est résoudre le problème de kidnapping. Donc, nous ne pouvons pas parler aujourd'hui à des questions d'élections ni de référendums parce que les conditions pour qu'on réunit pour ça. Tandis que nous connaissons pour gagner alternance politique dans le pays pour gagner élection, même moment, il n'est pas propice pour ça. C'est peut-être ça, nous-mêmes, nous prenons la rue pour nous voir comment nous sommes capables de diriger, nous sommes capables de faire tout ça dans le pouvoir pour nous mettre
regardez bien sécurité dans le pays pour moi suspendre avec qui sauter. Je saute la caille, moi qui m'a sauté parce que moi connais bandit à pas le barrer moi. Et c'est pas moi seulement qui compte ça. Donc faut que le problème pas résoudre. Et nous dit tout le temps, monsieur qui est au pouvoir, pas résoudre le problème ça, nous faisons commencer par la rue. Cette fois-ci, regardez bien, communauté qui t'a dormi, protestants qui t'a dormi, nous réveiller. Et nous prenons responsabilité nous à deux bras parce que nous sommes pays à gouverner et tandis que nous avons un paquet de monde qui est capable d'un pays. Donc nous-mêmes protestants, nous avons secouru pour nous réveiller et pour nous capables de joindre le résultat que nous avons cherché. Donc nous voulons présenter un gros coup de chapeau à la police. Je vous dis à la, nous commençons à voir qui police nous réveille. Police pas accompagner protestants et avec tout notre monde hier. Donc nous capables de dire bravo pour la police. Pas de violence dans le marché, pas de boulet caoutchouc. Parce que nous connaissons protestants pas en affaire avec violence. Donc nous remet maintenant que tout le monde qui attendait nous, ce n'est pas une question nous gagner avec nos grands monde. Nous avons un problème avec nos systèmes. Et nous sommes sortis dans la rue. Nous pas sortis comme partisans X ou bien Y. Nous sortis comme moun qui vivent nos situations et nous prenons position pour victimes. Victimes, c'est moun sa yo qui va faire rien, la kidnapper yo et yo pas jamais jeune moun qui pour défendre yo. Nous pas sortis pour ni opposition ni pour gouvernement. Nous prenons position pour bon Dieu parce que bon Dieu est dans notre pays comme sentinelle. Nous prenons position nous comme sentinelle là. Pour nous capables de défendre l'injustice. Parce que le rôle protestant, le rôle chrétien, le rôle leader chrétien, le rôle moral, c'est dénoncer tout ça qui doit dénoncer. Nous dénoncer le bagage qui n'a pas ça, qui fait un monde à souffrir comme ça dans le pays, qui fait la diaspora pas rentrer dans le pays, qui fait un monde pas faire business dans le pays. Et tout le bagage ça, pour qu'on résoudre, qui va nous parler ni de référendum, ni d'élection. Pour référendum dans le pays, pour gagner l'élection dans le pays, il faut gagner sécurité. Comment parler pour nous dans le référendum, dans l'élection, dans tout le cas, il y a un gang. Donc ça, il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Et nous voyons un signal clair à l'international là, qui chauffe la question d'élection, ni référendum, là, si vous voulez pas faire, que vous voulez mettre la peine dans le pays, là, pour tout le monde capable à l'exprimer. Regardez bien, volontaire à travers les unes pour chercher le monde. En question avec Bob Sy. Pasteur Foge, en pile monde dit c'est un réveil finalement, c'est un réveil. Est-ce que réveil là a prêté là après marche hier là ou bien réveil là a continué parce que selon constat en pile monde si secteur protestant engage le tout bon vrai, il prend des responsabilités, il fait formation fidèle, réveil là capable plus visible dans les jours à venir. Ça va répondre. Bon, nous dit moment arrivé, ça fait longtemps ancien école là. C'est fait nous connaît. C'est prier à baba, relan moi baba et puis pour entendre Jésus-Christ chercher nous. Non, qu'il y a là, il y a des leaders qui réveillent. Et tu connais, nous encore sous terre, il faut que nous organisions terre. Donc nous réveillons. Et nous avons réveillé chaque grand chrétien et chaque grand monde qui est dans le pays. Pour nous dire, il faut que nous travaillions. Et il faut que nous rentrions dans toute activité qui a rapport avec la sociale, politique, pour nous changer le pays. Nous ne pouvons pas camper là après marche côté ou demain. Nous avons une stratégie encore. Cette fois-ci, nous disons, nous ne pouvons pas quitter tout le monde à faire des autres. Je ne parle pas de tout le monde politique qui a une mentalité. Tout le monde a fait des autres dans le pays encore. Bon, il y a la protestant, les chrétiens, les chrétiens protestants, les chrétiens catholiques et tout le monde. Regardez bien toute couche sociale là. Qui connaît que c'est bien pour nous mettre ensemble dans l'unité. Nous avons trois divisions dans le temps nous. Surtout dans le secteur protestant. Nous faisons appel à tous les protestants. On nous met des piquerelles, des chapelles, nous déposer. Pays à souffrir. Si nous mettons tête nous ensemble, nous sommes capables de délivrer Haïti dans tête ensemble. Nous sommes capables de faire même ça où on a été fait. Pas quitter Colombo à diviser nous. Parce que de la nouvelle, c'est du ça. On nous divise. On nous fait la bataille toute la journée.
Mais c'est comme ça, n'a pas qu'il y a une crasse, n'a pas qu'il y a un sous-développement, n'a pas qu'il y a dans la misère. Donc, Rwanda a développé aujourd'hui, parce que c'est pour Rwanda. Il était comprendre qui ça, comment il a fait, et puis il était déposé les armes, et puis il a mis tête ensemble. Il a fait une idée pour être capable de délivrer le pays. Mais aujourd'hui, à Rwanda, il y a un grand pays qui a été bien qui connaît par le développement. Donc, les protestants, nous prenons, nous voulons prendre la situation en main pour nous bailler le camp. Ce n'est pas un pays qui nous dit que nous sommes protestants. C'est un pays laïque lié. Mais protestants prennent bailler le camp. Protestants prennent initier un mouvement tête ensemble, unitaire, pour que nous soyons capables de garder bien, mettre tête ensemble sans discrimination. Nous pas la question, nous pas la faire avec catholique, nous pas la faire avec cougar, nous pas la faire avec juste, nous pas la faire avec date. Tout ça qui a rapport avec développement au pays, c'est tête ensemble pour nous faire. Les nous prenons prier, puisque nous avons trois différents, nous chacun prier façon pas nous. Quand il s'agit de mettre tête ensemble pour nous faire route là, pour nous bailler courant, pour nous mettre les cadres bien, pour nous mettre l'école, pour nous mettre l'hôpital, c'est notre tête ensemble pour le faire, pour que tout le monde la donne. Ce n'est pas une question de chapelle politique qui dit moi pour faire campagne, mon capitaine la même encore. Tout en langage sérieux, à parler, à toujours des confusions, des batailles dans la nation. Hein. C'est une question d'alternance politique. Donc, ce n'est pas une chapelle politique. Qu'est-ce qu'il dit? C'est moi pour qui ai le pouvoir. Sinon, c'est démocrate tout bon vrai. Faut que nous d'accord, alternance politique et protestant, nous croyons en démocratie, nous croyons en alternance politique. Mm-hmm.